Bonjour Louise. Bonjour Michel. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Bah, boulot, tu sais. Et les enfants ? Ils grandissent. Ça nous rajeunit pas tout ça. Ça, c'est sûr. Bon, c'est pas tout ça, mais on est là pour le dernier numéro de l'année. Qui va conclure 2016 sur une note joyeuse. Oh, oh, oh ! Au programme, toutes les animations de cette fin d'année. Et les coups de cœur de toute l'équipe. Alors, c'est parti ! Oula, vraiment désolé, là on est complètement à la bourre. Tu crois que ça va le faire? Oui, au niveau de la... Oui, ça va le faire. Ouais, c'est bon, ça va. On est pas mal. Bienvenue sur Télé Canard, la seule chaîne qui ne vous prend pas pour des... Quoi. Bonjour Louise. Hey, bonjour Michel, comment ça va? Ben, ça va très bien, merci. Et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de Louise et Michel, l'épisode de décembre 2016. Salut. Et comment elle s'est passée cette année 2016 à la bibliothèque? Eh ben écoute, elle s'est super bien passée. Parce qu'en fait, vous, nos usagers, vous avez beaucoup participé à la vie de la bibliothèque. Et ça, c'est une vraie réussite pour nous. D'abord, il y a eu le festival vegan qui a été organisé par vous à la bibliothèque. C'est vrai, on a aussi fait un Bibliomix Junior où les enfants ont réinventé la bibliothèque. Nous avons aussi lancé la tutothèque. La tutothèque? Mais c'est quoi Michel, la tutothèque? La tutothèque, c'est le poids des démos, le choc des tutos. Et on a eu aussi la participation d'Idriss qui a animé ses premières sessions jeux vidéo. C'est vrai, on vous a aussi vu vous occuper du jardin, faire des pompons, du tricot à la bibliothèque. Vous avez aussi écrit des articles pour le blog de la bibliothèque. Enfin, tout ça. Et on attend encore plus de vous l'année prochaine, parce que ça, pour nous, c'est vraiment une bibliothèque vivante et c'est ça qu'on veut. Tout à fait. Et donc, Louise, qu'y a-t-il à la bibliothèque pour clôturer l'année en guirlandes et paillettes? Eh bien, il faut noter des ateliers avec la slameuse Clion les mercredis 7 et 14 décembre à 14h. Et c'est des ateliers pour les enfants entre 8 et 12 ans sur inscription. Oui, mais Michel, il ne faut pas oublier les régulières mais néanmoins pailletées activités de la bibliothèque. Absolument, Louise. Par exemple, le samedi 3 décembre avec le ciné-habitant à partir de 14h30. Mais oui, et le samedi 10 décembre avec un café de Louise à 11h et de jeux vidéo parents-enfants à 15h. Et le samedi 17 décembre, grosse journée à la bibliothèque. C'est clair. Avec les voyageurs du code le matin à 10h30. Histoire et compagnie à 11h sur les tapis. Ainsi que le goûter des pingouins grouillants à 16h, toujours à la bibliothèque. Bien sûr, et le mercredi 21 décembre, à partir de 16h, on retrouvera le goûter des ados. Alors venez nombreux s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, tous les vendredis, le café blabla à partir de 14h30. N'oubliez pas qu'à partir du samedi 17 décembre, la bibliothèque passe en horaire de vacances. Oui, et les samedis 24 et 31, on fermera une heure plus tôt, à 17h. Mais on vous attend tout de même pour manger des papillotes avec nous. Alors voilà, c'est le mois de décembre, c'est le moment de l'année où... Tous vos bibliothécaires adorés... vous ont préparé... une liste de ce qu'ils ont aimé... tout au long de l'année. Hello, et ben moi je voulais parler de mon cooker... pas forcément mon coup de cœur de l'année, mais mon coup de cœur du moment en tout cas. Ça s'appelle Le Bois Dormait. C'est le tout récent album de Rebecca D'Autremer. C'est un album, on va dire, autour de La Belle au Bois Dormant. Mais c'est pas juste l'histoire de La Belle au Bois Dormant. C'est un album super beau, avec des très belles illustrations. Pas beaucoup de textes, mais vraiment par contre des images magnifiques à découvrir. Et surtout, deux personnages qui racontent l'histoire sur une page et des grandes illustrations de l'autre côté. C'est très doux, c'est très silencieux en dehors de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment dans ce livre. Et c'est très beau. Voilà, mon coup de cœur du moment.
Alors, mon coup de cœur 2016, c'est l'abominable Charles Christopher de Karl Kersch, qui réussit, une BD en format italienne, qui réussit à raconter les aventures d'un yéti complètement débile dans une forêt remplie de petits animaux mignons. Et là, on pourrait s'attendre à ce que ce soit juste avec un petit format de gag en 6 cases, un truc sympa et un peu bête. Et bah, c'est hyper profond et poétique et beau, et ça fait pleurer. Et c'est l'énorme coup de cœur que j'ai eu de l'année. Alors moi, en young adult, c'est Six of Crows qu'on vient juste de recevoir. Je vous en parle pas trop aujourd'hui parce qu'on va faire une vidéo de booktubing sur la chaîne YouTube de la bibliothèque. Et donc voilà, c'est hyper bien. Et maintenant, coup de cœur, grelots et paillettes, la suite. Alors, mon coup de cœur de cette année 2016, c'est une suggestion de lecteur, de lectrice même, devrais-je dire, qui s'appelle Famille presque zéro déchet, le guide. Donc, c'est un guide pratique, un carnet de bord assez amusant, qui nous donne plein de pistes pour tenter de réduire nos déchets. Il propose des alternatives assez simples au quotidien. Donc, de la recette à la lessive à l'organisation d'une fête. On réalise qu'on peut faire plein d'économies, tout en préservant la planète. Et on peut également suivre la famille zéro déchet sur Facebook. Alors mon coup de cœur de l'année, c'est un album qui est probablement le meilleur disque qui soit encore sorti cette année, c'est Black Star de David Bowie. Donc moi j'ai la belle édition vinyle, voilà. À la bibliothèque, vous avez l'édition en blanc, voilà, en CD, qui est tout aussi jolie, hein, le livret est le même. Pourquoi Black Star ? Parce qu'en janvier dernier, David Bowie nous a quittés. Je m'en souviens très bien, c'était un matin, j'ai fait la news pour le blog de la bibliothèque au réveil. En apprenant la triste nouvelle, j'ai écouté cet album-là pendant une semaine non-stop. Et puis c'est parce que voilà, ça a été un choc assez fort. Et puis c'est encore très émouvant d'écouter cet album-là, d'écouter notamment la chanson Lazarus. Où il dit « I'm in heaven » et tout ça, comme s'il avait écrit en sachant très bien ce qu'allait se passer. Et c'est encore plus émouvant à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment le gros, gros coup de cœur de l'année. Mon coup de cœur à moi, c'est la double vie de Jesus, qui est un candidat pour le poste de la mairie de sa ville. Ça se passe au Mexique, dans une ville extrêmement corrompue, et il doit avoir une vie personnelle irréprochable. Sauf qu'il va tomber amoureux, alors même qu'il est marié, et cet amour est complètement scandaleux, et ça ne doit pas filtrer dans la presse. Mais quel est cet amour ? Ce livre est un coup de cœur parce que c'est la fable cruelle d'une rencontre improbable entre deux personnes que rien ne destinait à se rencontrer. C'est génial, c'est caustique, c'est acide, c'est vraiment, vraiment un coup de cœur. Alors, mon coup de cœur cette année, c'est Descender de Jeff Lemire et Dustin Nguyen, un comic sur un enfant robot dans le futur, dans une histoire très bien construite, avec des personnages vraiment, vraiment tous attachants. L'histoire, je vous la laisse découvrir, mais ça vaut vraiment le coup. C'est plein de rebondissements, l'univers est vraiment, vraiment intéressant, et les dessins sont tout juste magnifiques. Jeff Lemire, il faut le lire. Ça y est, Michel, c'est la fin de cet épisode. Eh oui, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve dès le prochain numéro. En attendant, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas que... Well, so could anyone. You took my dreams from me. When I first found you, I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I've built my dreams around you. And the boys of the NYPD choir still singing Galway Bay. And the bells are ringing out for Christmas Day. T'as été au dernier comité de pilotage ? Non, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est encore passé ? Ils ont passé la moitié de la réunion à prendre des photos de Lego et de canards en plastique. Ah, les gamins ! Heureusement qu'on est là pour tenir le baraque. Tu m'étonnes.
Et sinon, tu sais comment on fait pour mettre deux Père Noël dans un frigo? Non. Impossible, il y en a un seul.